C'est la nouvelle session d'information. Mesdames et messieurs, merci de nous choisir. Tout de suite, le grand titre. Le ministère de la Santé publique annonce le go de la campagne de vaccination contre la variole du singe, Mpox, à travers le territoire national. Cette opération est prévue le 2 novembre prochain dans les soucis de combattre durablement cette pandémie. L'Agence nationale de renseignement a transféré l'opposant congolais Seth Kikuni au parquet de grande instance pour ses deux accusations, notamment incitation à la désobéissance civile et la propagation de fausses informations prononcées lors de son discours dans la ville de Lubumbashi. En prélude de l'organisation des élections syndicales au sein de l'administration publique congolaise, l'UEC et la DSF ont tenu ce samedi 14 septembre une séance de travail pour évaluer le chronogramme des activités. Cette rencontre consistait à faire le point de manière générale avant la bataille électorale. Une fois de plus, madame, messieurs, démarrons par la traditionnelle réunion du Conseil de ministres. Prenant la parole à son tour lors de cette importante réunion, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemin Chabani-Loko, a présenté les rapports concernant la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national, notamment dans la partie orientale de la République démocratique du Congo comme à l'ouest. Voici dans ses comptes rendus. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'État et à l'administration du territoire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire. La semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été globalement calme, mais quelques faits saillants méritent d'être rapportés, notamment la satisfaction de l'opinion consécutive à la décision prise par le président de la République d'élargir l'enquête sur la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala, ce qui permettra de percer tous les mystères autour de cet événement tragique. La satisfaction de la population du refus du gouvernement de la République démocratique du Congo de signer les mémorandums d'entente sur la coopération sécuritaire entre les chefs de police des communautés des États d'Afrique de l'Est et les ministères chinois de la sécurité publique. Les souhaits des Chinois de voir les autorités accélérer les travaux de voirie et des drainages à l'approche de la saison de pluie afin de prévenir les effets des inondations. Sur le volet sécuritaire, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a présenté les points saillants irrélatifs, essentiellement pour les parties est et ouest du pays. Il a fait également état à Kinshasa du meurtre de l'enfant Mboyo Soki, des blessures de Malissa Mbombo, tous élèves de 8e, poignardés pour une raison non élucidée par leur camarade Ali Mohamed, âgé de 13 ans, dans leur salle de classe de l'école Sévigné dans la commune d'Elimété. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres qui faisait état du point de formation de cette importante réunion, prenant la parole à son tour le ministre d'État en charge du commerce extérieur, Julien Paluku, a salué la participation de la République démocratique du Congo au forum Chine-RDC et au forum Afrique-RDC. Une fois de plus, voici dans ses comptes rendus. Participation de la République démocratique du Congo, Forum économique RDC Chine et Forum sur la coopération Afrique-Chine 2024, FOCAC. À ces propos, le ministre du Commerce extérieur a rappelé que le Forum économique RDC Chine émanait de la volonté des deux chefs d'État, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue Xi Jinping, qui ont décidé conjointement, au cours de la visite effectuée par le président de la République en Chine en mai 2023, d'élever les relations sino-congolaises au niveau d'une coopération globale et d'un partenariat stratégique. Les vœux tels qu'exprimés par les chefs d'État étant de voir les niveaux de coopération et d'échange connaître un accroissement. Il a souligné qu'à ce stade, des gros efforts ont été fournis. En effet, les exportations de la Chine vers notre pays ont eu à progresser à un taux
annuel moyen de 36%, passant de 1,6 milliard en 2017 à 5,06 milliards en 2022. Pour l'année 2023, selon l'administration des douanes, les exportations de la Chine vers la RDC ont été de 4,486 millions 34 000 dollars, contre les importations de la Chine en provenance de la République démocratique du Congo des 18 754 332 000 dollars américains, ce qui donne une balance commerciale positive d'à peu près 14 268 298 000 dollars américains. Dans sa démarche du dialogue social, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a réaffirmé l'engagement du gouvernement de la République à résoudre les préoccupations liées à la mécanisation, la promotion des grades, la mise en retraite et l'amélioration des conditions socio-professionnelles de personnel de santé des cliniques Ngaliema et Kinoise. Regardez. J'ai noté les diverses préoccupations qui ont été ici soulevées. Je vais tâcher de tout mettre en œuvre pour que des solutions rapides puissent être trouvées, des réponses puissent être données. Et surtout, en ce qui concerne le fonctionnement de l'hôpital, j'ai noté ce que le docteur Talaja a dit, c'est fondamentalement important. Et nous verrons comment essayer de vous aider pour que vous puissiez toujours continuer à rayonner, pas disparaître. Non, Ngaliema ne peut pas disparaître, c'est une institution qui est centrale dans le système de santé de notre pays. Nous mettrons tout en œuvre pour qu'elle puisse toujours rayonner et continuer à fonctionner de manière tout à fait optimale. Il y a une autorité au rang de ministre descendre à la base. Depuis toujours, j'ai toujours cherché une occasion pour le rencontrer pour des problèmes personnels, mais ce sont des problèmes qu'il a résolus sur place. Nous avons vraiment apprécié, loué son pragmatisme, et qui nous a montré que c'est un homme de terrain, il ne reste pas dans son bureau, c'est comme ça qu'on trouve la solution. Et je crois que c'est un modèle qui doit suivre tous les ministres. Autre chose dans ce journal, retenez que 3 enfants ont perdu la vie jeudi dernier à Mogoga suite à l'explosion d'une bombe de mortier qu'eux-mêmes ont manipulé. Ainsi, les porte-parole de l'armée congolaise dans la province du Nord Kivu appellent à la population des 7 parties de la République démocratique du Congo à éviter la manipulation de tout objet métallique d'origine inconnue. Regardez. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent la population de Goma et ses environs qu'un incident malheureux est survenu ce jeudi 12 septembre 2024 à Mugunga, où une bombe de mortier 120 mm non explosée a tué 3 enfants qui étaient à la recherche de bois de chauffe et qui ont tenté de la manipuler, tout en compatissant au malheur qui vient de frapper les familles des victimes. Et afin d'éviter pareils incidents dans l'avenir, les forces armées demandent à la population d'éviter la manipulation de tout objet métallique d'origine inconnue et de signaler sa présence aux forces de défense et de sécurité. Après 3 mois de vacances parlementaires de la représentation nationale, le député national Soumaï Kitenge Pierre Lelu de Gungu fait la restitution après avoir effectué les différentes descentes dans sa base de 7 parties de la République démocratique du Congo en vue de recueillir les préoccupations de toute la population de sa circonscription électorale à quelques jours de la rentrée parlementaire. Il est au micro de votre rédaction. La situation à la base est une situation qui est liée à la conjoncture économique actuelle. Les populations ont exprimé des besoins, différents besoins qui ont été consignés dans un rapport qui est d'ailleurs en phase d'élaboration. J'ai dit d'ailleurs merci à toutes mes équipes. Ce rapport sera déposé à l'autorité compétente pour que des solutions soient trouvées. Mais ce qui revient souvent avec nos populations à la base, c'est plus le vécu quotidien des populations, c'est-à-dire le pain quotidien
et toutes les activités y afférentes qui sont susceptibles de pouvoir aider à ce que l'on trouve une solution, n'est-ce pas, par rapport à l'achat du pain. C'est ce qui revient très souvent. Et pour la situation particulière de notre circonscription, territoire de Gungu dans la province du Kwilu, ce qui revient très souvent, et plus souvent d'ailleurs, c'est la route qui mène à Gungu Cité est traversée par la nationale numéro 1. Et à côté, il y a une bretelle de 30 km jusqu'à Gungu Cité quand vous laissez la nationale numéro 1. Et cette route est dans un état de délabrement très avancé. La solution aujourd'hui serait que cette route soit arrangée de façon à pouvoir permettre le bon acheminement, n'est-ce pas, de produits de première nécessité jusque dans Gungu Cité et dans les 12 secteurs que compose le territoire de Gungu. Et en justice, il faut savoir que l'opposant congolais Seth Kikuni, récemment transféré au parquet par l'Agence nationale de renseignement, est confronté à des accusations, notamment l'incitation à la haine, désobéissance civile et propagation de fausses informations. Ces accusations découlent d'un discours prononcé par ces derniers très récemment dans la ville de Lubumbashi, en province d'Haut-Katanga, où ces déclarations sont jugées par la justice comme une menace pour l'ordre public. Et par ailleurs, de son côté, Martin Fayulu Madidi, président de la formation politique et SID, leader de la famille politique Lamuka, condamne à la dernière énergie cette démarche poursuivi par les instances judiciaires de la République démocratique du Congo et appelle à la cohésion nationale entre les Congolais en vue de défendre la patrie contre toute puissance négative étrangère. Retrouvez-les au micro de votre rédaction. J'ai expliqué le pourquoi de cette cohésion nationale. Qu'est-ce que j'entends par cohésion nationale? Je dis qu'il faut répondre à trois questions. Que faire pour recouvrer l'intégrité territoriale de notre pays mise à mal par le Rwanda et l'Ouganda. Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre l'intégrité du pays et de son territoire. Deuxième question, la mégestion, la malgouvernance, la corruption. On bafoue les droits de l'homme, les droits humains. Comment résoudre ces questions-là? Troisièmement, la Constitution de la République dit que notre pays, depuis le 30 juin 1960, date de son indépendance, connaît des crises récurrentes, dues essentiellement au manque de légitimité des institutions et de leurs animateurs. Les institutions ne sont pas légitimes, les animateurs le sont encore moins. Que faut-il faire pour que demain nous puissions faire des réformes institutionnelles, surtout des réformes électorales, pour que les élections soient crédibles, c'est-à-dire transparentes, impartiales et apaisées. On ne peut pas à chaque fois avoir de problèmes, arrêter les gens. Tous les pouvoirs qui se succèdent ici, et surtout les pouvoirs qui sont illégitimes, tous ces pouvoirs-là, bafoue les droits humains. Ça, on ne peut pas accepter ça. Donc, l'arrestation de Seth, il faut rendre Seth à sa famille et on n'a pas besoin de les garder dans les geôles de l'ANR. Lutte contre la variole du singe en République démocratique du Congo, parlons-en. Le ministre de la Santé publique, le docteur Roger Kamba, a annoncé jeudi dernier à Kinshasa le lancement des hostilités concernant la campagne de vaccination dans le but de combattre durablement cette pandémie. La dite opération est prévue en date du 10 novembre prochain sur l'ensemble de l'étendue nationale. Jusqu'à là, la République démocratique du Congo a déjà bénéficié des lots importants de 200 000 doses de vaccins réceptionnés par les gouvernements congolais. Nous avons acheté tous les stocks disponibles à la compagnie. La compagnie avait un stock et nous avons quasiment acheté la totalité du stock pour l'acheminer ici. Est-ce que nous sommes confiants d'avoir les 10 millions de doses? Nous disons nous sommes très confiants, étant donné que non seulement que nous avons sécurisé la production,
mais nous allons aussi faire les transferts des technologies en Afrique pour permettre aux sociétés africaines de fabriquer ces vaccins. Ça va augmenter le volume et ça va réduire les prix. On attendait fermement ces vaccins. Des vaccins qui ont déjà fait leurs preuves parce qu'ils ont été utilisés massivement déjà. Depuis 2022, il y a déjà plus de 400 000 personnes qui ont été vaccinées en Europe, aux États-Unis. Nous remercions beaucoup l'Union européenne qui nous amène ce premier lot, qui vient de contribuables européens, qui vient des stocks européens, mais qui permet que nous ayons déjà la capacité de contenir ce virus. Nous allons continuer à soutenir avec le gouvernement de RDC, mais également Africa CDC et l'OMS. Nous allons continuer à travailler pour améliorer les diagnostics et pour pouvoir améliorer la surveillance et pour pouvoir avoir des données et être à la source dès qu'il y a un premier outbreak épidémique pour pouvoir vacciner et pour pouvoir traiter les patients dès le départ. Poursuivons ce journal par cette information. La chaîne Canal Plus Pop a été suspendue pour 45 jours en République démocratique du Congo par les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication suite à la diffusion de l'émission télé-réalité des Bachelors malgré son interdiction par les autorités congolaises. Le directeur général de cette entreprise est invité au CESAC pour présenter ses moyens de défense. Regardez. Vu l'urgence et la nécessité, prend à titre conservatoire l'acte dont la teneur suit. Article 1er est suspendu sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour une durée de 45 jours à dater sa publication, la chaîne Canal Plus Pop. Article 2. Le directeur général de Canal Plus RDC est invité au conseil pour présenter ses moyens de défense en rapport avec le manquement relevé ci-avant en déant 7 jours. Article 3. Le procureur général près le Conseil d'État ainsi que le directeur général du Renatelsat sont priés de concourir à la bonne exécution du présent acte qui entre en vigueur à la date de son adoption. Dans un autre registre, ce samedi 14 septembre 2024, l'Union des syndicats du Congo et la dynamique syndicale de finances ont tenu dans leur siège une séance de travail d'évaluation des activités. Cette rencontre a permis aux permanents et délégués syndicaux de présenter leurs réalisations en perspective de l'organisation des élections syndicales qui pointent à l'horizon au sein de l'administration publique congolaise. Retrouvé dans ces reportages réalisés par Gratien Kiombo et Patient Ngoy. Dès les débuts de la session, un climat de collaboration et de rigueur a prévalu. Les responsables syndicaux ont pris la parole pour présenter les résultats obtenus dans leurs différents secteurs. Les interventions ont permis de mettre en lumière les réussites notables telles que les avancées dans la négociation des conventions collectives et les initiatives de mobilisation des adhérents. Les services des secrétariats généraux compte l'effectif des 45 agents, dont nous avons eu à avoir 15 agents actifs, membres de l'ISC. Les directions des services généraux et du personnel comptent 395 agents et l'ISC a jusque là 187 agents actifs. Parmi le point saillant, on note l'amélioration des conditions de travail grâce à des accords récemment signés et la croissance significative du nombre de membres actifs, signe de la dynamique positive au sein des syndicats. Cette séance d'évaluation a permis de dégager des axes de travail pour renforcer l'impact des actions syndicales et optimiser les stratégies en vue des élections syndicales. Au sein des forces, au multiplier des forces, mais sur base abandonnée aujourd'hui, nous allons nous inspirer d'un côté et d'un formulaire. Pour ça, là, nous vous remettre dans chaque coordination. Maintenant, c'est sur quoi de ça. Et ceux qui t'ont convoqué, parce qu'on a facilité déjà à retransmettre et que tout ça, il suppose qu'il faut y avoir une vérification. Pour ne pas gonfler la chiffre, pour qu'il y ait vraiment un travail. Or, en réalité,
il n'y a rien. Puisque nous avons ces divers et ma chiffre. Nous avons ces divers et ma stylote pour gonfler à travers les rapports. En définitive, cette rencontre a été un moment fort de bilan et de planification, marquant un engagement renouvelé de l'UEC et de DCF pour défendre le droit des travailleurs et préparer avec efficacité les échéances électorales à venir. Poursuivons ce journal par cette information. On parle de la cérémonie des signatures du contrat 6 communes entre la partie congolaise et les entreprises chinoises implantées en République démocratique du Congo. Cela est estimé à une valeur de 73 millions de dollars américains avec le concours des 5 entreprises évoluant dans les secteurs des infrastructures et de l'industrie. Regardez. Poursuivant avec son itinérance de récolte abondante des résultats issus de sa lutte, Miguel Cachal est chaleureusement accueilli aujourd'hui dans les installations de la SICOMINE. Dans cette salle, le décor qui y est planté est celui d'une brève cérémonie qui porte sur la signature des contrats de société des sous-traitances qui ont gagné de marché. Aujourd'hui, en présence de Monsieur le DG de l'ARSP, nous allons procéder à la cérémonie de signature des contrats avec des sous-traitants éligibles à la sous-traitance en RDC, cet événement revêt une importance capitale. Cette première série est composée de 4 sous-traitants qui ont pu le faire en répondant aux appels d'offres publiés sur les sites officiels de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé. Le DG de la RSP a saisi la balle au bond pour saluer la clairvoyance du président Félix Tshisekedi Tshilombo dans ce secteur dont les signaux du changement sont plutôt positifs. Nous allons continuer dans la mission que nous a confiée le chef de l'État afin de pouvoir développer la chaîne des valeurs. C'est une grande responsabilité. Les pays vous regardent, la nation vous regarde, les sociétés principales vous regardent aussi. Soyez des modèles de discipline. Faites la fierté au chef de l'État. Il a dit, je vais créer une véritable classe moyenne. Nous voulons créer une véritable classe des entrepreneurs. Pas à pas, jour pour jour, le rêve du président Tshisekedi visant à créer des riches Congolais est en train de rattraper la réalité. Ayant le vent en poupe, Miguel Cachal et son équipe ne sont du tout pas prêts à baisser le bras, nonobstant les poches de résistance entretenues par ceux qui ne jurent que par la déliquescence de ce secteur. Sans complaisance, ils y font face. Rendons-nous cette fois-ci en province. Le bâtiment de l'IEC Chikapa a été incendié jeudi dernier par un groupe d'étudiants finalistes de cet établissement universitaire. Tous les documents qui s'y trouvent ont été réduits en cendres. Retrouvez la voix de Jovine Binga dans ses détails. Actuellement, toutes les activités académiques sont paralysées à l'Institut supérieur de commerce de la ville de Chikapa dans la province de Kasaï. À la base, le comportement d'un groupe d'étudiants finalistes qui ont incendié le bureau administratif de leur institution. En effet, venus pour défendre leurs travaux de fin d'études au-delà du délai, alors que la défense était prévue du 10 au 11 septembre dernier, ces étudiants ont été envoyés à la deuxième session. Mécontents de la décision, ces apprenants ont mis feu au bureau qui garde tous les documents de cet institut. Acte condamné par le directeur général de l'IEC Chikapa, ce dernier a fait savoir que ses étudiants ont été instrumentalisés et seront sévèrement punis. Il sied de signaler qu'une enquête a été lancée pour identifier les auteurs de cette barbarie car tous les documents ont été réduits en cendres. Ouvrons cette fois-ci ces registres consacrés aux questions internationales. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye entame la procédure de la dissolution de l'Assemblée nationale pour de multiples raisons d'ordre politique. Ce dernier envisage composer une chambre acquise de l'opposition. Cette situation intervient après avoir déjà passé 5 mois à la tête du Sénégal. Retrouvez la voix de Corinne Kadoulou dans ses détails. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye
est en position de dissoudre l'Assemblée nationale dans les prochaines heures. En effet, 5 mois après son arrivée, le président Diomaye a été élu dès le premier tour par plus de 54% des électeurs sénégalais. Cependant, il n'a pas la majorité au Parlement, qui restait dominée par les camps de l'ex-président Macky Sall. Il s'est noté que le président sénégalais doit composer avec une chambre acquise à l'opposition. Par ailleurs, Diomaye a les droits d'appeler à des législatives anticipées et il devra s'adresser à la population sénégalaise ce jeudi aux environs de 20h en temps universel. Signalons que le président sénégalais devrait donc dissoudre l'Assemblée nationale dans les prochaines heures pour une simple et bonne raison. Qu'il règne de la discordance actuelle au Parlement qui est dominé par la majorité de l'ex-président Macky Sall. Rappelons que les patriotes africains du Sénégal pour le travail, PASTEF en sigle, parti du président Diomaye, n'ont en effet que 23 députés sur les 165 au Parlement, alors que même en y ajoutant ses alliés de la coalition Yewi, Askawi, il ne peut compter que sur une quarantaine de parlementaires face à la coalition Benobok Yakar de l'ex-président Macky Sall qui a la majorité absolue depuis les législatives de 2022. Par contre, cette opposition majoritaire a déjà montré sa capacité de faire blocage au projet de loi proposé par les pouvoirs comme il en a été le cas lors du débat d'orientation budgétaire. Parlons cette fois-ci de valeurs nutritives. Que savez-vous de mangoustan? Complétez votre connaissance à travers ces commentaires signés par votre rédaction. Le mangoustan, appelé le roi de fruits, est un fruit provenant d'Indonésie cultivable dans le sud-est de l'Asie et une partie de l'Afrique. Il est un fruit le plus apprécié grâce à ses bienfaits et à son goût unique. Il a un grand pouvoir antioxydant, ce qui protégeait contre les attaques par les radicaux libres, le vieillissement et le cancer. Une qualité à noter est que 84 types d'exanthomes ont été retrouvés dans sa composition, qui sont de molécules biologiques actives qui combattent les virus, les champignons, les bactéries et les parasites. Il contient une grande quantité de potassium, valeur fondamentale pour le fonctionnement correct musculaire et les systèmes nerveux. Il est considéré antibactérien, antiviral et simulé. Il augmente la défense et contient la vitamine B12, ce qui améliore le système nerveux et le métabolisme du foie. Le mangoustan a des propriétés anti-inflammatoires, anti-allergiques et anti-tumeurs. Ces fruits sont recommandés pour les personnes souffrantes d'hypertension. De plus, qu'il contribue à élever les niveaux d'énergie dans l'organisme. La pulpe et l'écorce de ce fruit sont riches en acides hydrocitriques qui inhibent la création de graisse, prévient l'excès de cholestérol sanguin, provoque une sensation de satiété et peut être utilisé comme traitement à l'obésité. Il réduit le stress, régule le sommeil, élimine les toxines et les gras dans le corps. Le mangoustan, grâce à sa consistance et à son goût sucré, il est parfait pour les enfants, les jeunes, les adultes, les sportives, les femmes enceintes ou les personnes âgées. Fin de cette grande édition d'informations sur nos antennes. Vous venez à peine de nous rejoindre. Place au rappel des titres. Le ministère de la Santé publique annonce le go de la campagne de vaccination contre la variole du singe Mpox à travers le territoire national. Cette opération est prévue le 2 novembre prochain dans le souci de combattre durablement cette pandémie. L'Agence nationale de renseignement a transféré l'opposant congolais Seth Kikuni au parquet de grande instance pour ses deux accusations, notamment incitation à la désobéissance civile et la propagation de fausses informations prononcées lors de son discours dans la ville de Lubumbashi.
En prélude de l'organisation des élections syndicales au sein de l'administration publique congolaise, l'UEC et la DSF ont tenu ce samedi 14 septembre une séance de travail pour évaluer le chronogramme des activités. Cette rencontre consistait à faire le point de manière générale avant la bataille électorale. Ce travail des titans est réalisé de maître grâce à la conjugaison des efforts de la rédaction et de la technique. D'ici là, portez-vous bien et excellente suite de nos programmes en compagnie de Kinartu Télévision, votre partenaire d'excellence. Je vous retrouve très prochainement avec la même ferveur.